bravo. Yes, yes. Allez, et à midi, il était bien. Bravo. En fait, tous les mecs qui sont partis dans l'Ouest, dont je fais partie, après, enfin, au niveau du Cap Finistère, ils se sont retrouvés vite à la rue au niveau du classement en distance au but. Mais à ce moment-là, moi, je savais que j'étais bien dans le coup et que dès que je me recalerais dans le paquet de tête. J'ai essayé de m'appliquer, quoi, de bien faire le boulot. C'est surtout ça, quoi, dans un peu tout ce que je fais, que ce soit les manœuvres ou la vitesse, de toujours essayer d'être rigoureux et puis en me disant qu'il n'y a pas de raison, en faisant comme ça, il n'y a pas de raison que ça marche pas, quoi. Il nous a tout donné, ouais. Bravo. Allez, fiam, allez. Bah ouais, deuxième, c'est génial, quoi. C'est juste magique. Je me suis éclaté pendant, je sais même pas combien de temps ça a duré d'ailleurs cette étape. Bah 10 jours, 8 jours, 9 jours, 9 jours. Ouais. J'ai pris du plaisir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf au début là, avec l'angine, ça m'a bien gonflé, ça. Bah c'est passé et puis nickel quoi, ça glissait tout droit et puis plus les jours passaient, plus le pointage, plus le classement, je montais dans le classement, c'était top. Je me suis dit je vais pas dans la baston, je vais pas dans la molle, je reste au milieu. Je l'ai un peu joué comme ça. Le programme ? Ouais. Bah le programme c'est la deuxième étape, va falloir attaquer là parce que maintenant il y a une place à tenir. La pluie, les gars. Ouais, orage, averse. Yeah! Yeah! Non, mais troisième, c'est super. C'est super et ça fait vraiment plaisir. Hein. J'étais parti pour me faire plaisir sur l'eau. Je me suis fait beaucoup de plaisir sur l'eau. Déjà, ça, c'est important pour moi. Maintenant, c'est que le début. Hein. C'est la première étape de la Transat. C'est qu'un tiers du parcours. Les écarts sont infimes. Donc maintenant, la grosse course, le gros morceau va être jeudi prochain, jeudi 13 octobre, au départ de Malher, direction Baïa, là où on va vivre à 100 à l'heure, dans des surfs endiablés, je l'espère, parce que deuxième étape auprès, j'en veux pas par contre.